الحمد لله الذي لي تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أسبغ على عباده نعمه ظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم القائل: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين الدعاة إلى سبيل رب العالمين إلى توحيد أكرم الأكرمين. أما بعد، après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait comblé du témoignage et des paroles de René, waffaqahu Allah wa thabbatahu Allah ala l'islam wa sunnah, nous revenons à une partie de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, Nabi Allah wa Khalilih. Al-Ams, ou bil-Ams, ra'ayna qissata Ibrahim alayhi salam ma'a Sarah zawjatih lamma wasala ila Misr. وكان هناك ملكا جبارا له سنة سيئة، كان يأخذ النساء غصبا، وإذا كانت ذات زوج قتله واستباحها لنفسه، وإلا أخذها لنفسه، إلا أن الله سبحانه وتعالى عاصم هذه المرأة البرة التقية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم هاجر مرة أخرى إبراهيم عليه السلام مع سارة، وأخدم هذا الملك الظالم هاجر لسارة، فراجعوا معا. Donc hier nous avons vu, lorsque Ibrahim alayhi salam a atteint l'Égypte, cet endroit où il y avait alors un roi injuste qui opprimait son peuple et qui avait une très mauvaise et très grave tradition, une très grave habitude, qui était que lorsqu'il était épris d'une femme, il la prenait de force. Il la prenait de force. Et si elle avait un mari, il assassinait son mari, puis prenait cette femme, comme si c'était son épouse. Wal'iyadu billah. Lorsque Ibrahim alayhi salam a atteint ce pays, les gardes de ce roi lui ont fait part de la venue d'Ibrahim alayhi salam, accompagné d'une femme parmi les meilleures femmes, c'est-à-dire dotée d'une grande beauté. Alors le roi a convoqué Ibrahim alayhi salam et lui a dit: il m'est parvenu que tu es ici avec une femme. Qui est cette femme pour toi? Ibrahim alayhi salam a répondu, pour se préserver de la nuisance de cet injuste, il lui a répondu: c'est ma sœur.
Puis lorsqu'il est rentré chez lui, il a dit à Sarah, radiallahu anha, je lui dis que tu es ma sœur, ne me dément pas. Le roi a essayé de nuire à Sarah, mais elle a fait le dua et Allah l'a préservée. Ensuite, il lui a donné Hajar, à titre de servante, à son service, et ils sont repartis à nouveau. Fisham. Sarah était stérile. Elle n'avait donc pas eu d'enfant. Ibrahim alayhi salam, depuis de nombreuses années, invoquait Allah azza wa jalla afin qu'il lui accorde une descendance pieuse. Wahabli min as-salihin. Rabbi habli min as-salihin. Oh Allah, accorde-moi des enfants parmi les pieux. Et vous remarquerez ici qu'Ibrahim alayhi salam n'a pas demandé juste des enfants. Car le but n'est pas en soi d'avoir des enfants, mais d'avoir des enfants pieux qui seront pour toi la prunelle de tes yeux et la joie du cœur, qui t'aideront dans ce bas monde et seront une aide de ton vivant et après ta mort. Sarah a donc eu l'idée d'offrir Hajar à son époux afin qu'il puisse avoir des enfants. Elle a fait devancer ce que son mari a voulu sur sa jalousie naturelle de femme. Plus tard, Ibrahim alayhi salam a reçu par la grâce d'Allah de Hajar un enfant Ismaïl alayhi salam. Sarah a donc été jalouse de Hajar, ce qui est tout à fait naturel, si ce n'est qu'elle a tout fait pour endurer et supporter cette situation. Mais il y a eu quelques discordes et sa jalousie ne la laissait plus goûter à la tranquillité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a orienté son serviteur et messager Ibrahim alayhi salam vers Mecca et lui a dit de partir avec Hajar et son enfant Ismaïl alors qu'il était encore au sein. Il était encore allaité de sa mère. Ils ont donc quitté cette terre, Mada, Sham, où il y avait de nombreux bienfaits, et où il ne manquait de rien, vers Mecca. Puis il les a laissés là-bas par ordre de son Seigneur et est parti. On a raconté hier l'histoire de Hajar lorsqu'elle a fait les sept allées, puis Allah Azza wa Jalla lui a facilité l'eau de Zemzem. Il lui a envoyé un ange pour faire jaillir cette source qui est. Et qu'on trouve jusqu'aujourd'hui un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam les avait laissés par l'ordre d'Allah azza wa jalla. Hajar radiallahu anha avait fait preuve de la plus grande fermeté et a placé et abandonné son affaire à Allah azza wa jalla. Celui qui abandonne son affaire entre les mains du tout miséricordieux, du puissant, sage, savant et généreux ne regrettera jamais. Elle a dit avec la plus grande conviction, le cœur rempli d'amour et d'espoir en Allah Azza wa Jal, idhan la yudayyi'un Allah. Allah ne nous abandonnera jamais. Et il en fut ainsi. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffira. Puis il y a eu la tribu de Jurhum qui est venue. Elle leur a permis d'utiliser de l'eau. Et Ismaïl alayhi salam a grandi entre eux. Yani, au sein de cette tribu, a appris de la langue arabe. Plus tard, Ibrahim alayhi salam est revenu à Mecca et a trouvé que son fils bien-aimé était devenu un jeune garçon très intelligent. Son cœur s'est attaché à cet enfant. Et quoi d'étonnant, après qu'il ait eu cet enfant à un âge très avancé. Certains historiens disent vers 80 ans. Voyez. Et également, celui qui a un enfant, le premier prend une grande place dans son cœur. Car c'est une nouvelle expérience. Vous étiez deux et vous êtes désormais trois.
Et de cela peuvent témoigner l'ensemble des parents. C'est que le premier enfant, particulièrement si c'est un fils, prend une place toute particulière au sein de ses parents. Bien que l'islam ait préservé le droit de la fille et a appelé cela dans le Coran un don. Le fait d'avoir une fille dans le Coran a été appelé un don et a été cité avant les hommes, avant les garçons. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah Azza wa Jalla a honoré la place de la femme, même à sa naissance. Même à sa naissance. Puis, Ismaïl alayhi salam a atteint l'âge d'accompagner son père. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate As-Saffat nous informe d'une autre épreuve encore qui a touché le prophète Ibrahim alayhi salam. هذا الابتلاء هو أمر ذبح ولده الذي يعني لطالما انتظره. Cet enfant qu'il a tant attendu, Allah سبحانه وتعالى a élevé Ibrahim عليه السلام à la plus grande place, une place que personne avant lui n'avait jamais atteint, et une place qu'après lui personne n'a pu atteindre excepté un seul homme, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette place, chers frères, c'est le khullah. Ma ma'na le khullah? A'la darajatil hub. Ittakhadahu khalila. Ma ma'na khalil? Alladhi balagha fi darajatil hub al khullah. Ibrahim alayhi salam a été élevé et choisi et anobli, honoré par son Seigneur subhanahu. Il l'a élevé à la plus haute place que personne jamais avait atteint. Cette place, c'est le fait de devenir. Ils traduisent par l'ami intime d'Allah. C'est-à-dire le plus haut degré de l'amour. Allah lui a accordé cet amour, le plus haut degré de l'amour. Et cette élévation, ce rang, n'a été affirmé dans les textes que pour deux hommes. Ibrahim alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans deux hadiths au minimum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je n'ai pris personne en ami intime, car certes Allah m'a pris en ami intime tout comme il avait pris Ibrahim en ami intime. Et si j'avais pris quelqu'un en ami intime, j'aurais pris qui? Hein? Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu. Dans un autre hadith, la même chose. Et el khulla la taqbal al musharaka walaw fil yasir. El khulla n'accepte pas l'association et n'accepte pas de donner une part d'amour à un autre et que le cœur soit obstrué par la présence de quelqu'un d'autre. Il y a l'amour, adoration qui est vouée que Allah Azza wa Jalla. Wa min an-nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Hala shirkun akbar. Il y a d'autres formes d'amour, l'amour naturel, l'amour qu'il y a dans le avec le respect, l'amour qu'on a pour les enfants, pour les parents, pour l'épouse, ainsi de suite. Ibrahim alayhi salam, tout naturellement, il a cet amour pour son fils. Mais comme il a été choisi, élu pour être Khalil al-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tester l'amour qu'il portait à son Seigneur et faire montrer au grand jour, est-ce que cet enfant qui a été tant attendu allait pouvoir obstruer l'amour qu'Ibrahim alayhi salam avait auparavant pour son Seigneur? Est-ce que Ibrahim alayhi salam, même après avoir eu cet enfant, restera Khalil Rahman ou pas? Voici le sujet de l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cela dans le Coran en nous disant dans sourate Saffat: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِي. Puis lorsque celui-ci fut en âge de l'accompagner, c'est-à-dire lorsque Ismaïl alayhi salam grandit et fut en âge d'accompagner son père dans ses affaires et dans ce qu'il avait à faire,
أي أدرك أن يسعى معه كما قال العلامة ابن سعدي في السن الذي يكون أحب في السن الذي يكون أحب لوالده ذهبت مشقته وأقبلت منفعته. إسماعيل عليه السلام est arrivé à l'âge où il pouvait maintenant accompagner son père. L'âge en général où la difficulté de l'enfant est partie. Lorsque les enfants sont très jeunes, c'est lourd. Hein? Et tu te fatigues dans leur éducation. Donc, à cet âge qu'a atteint Ismaïl, alayhi salam, cette difficulté a disparu. Et son aide est venue. Donc c'est l'âge où il peut t'aider, où il peut t'accompagner, où il peut être de la meilleure, de meilleure compagnie, ainsi de suite. قال يا بني. Il est parti un jour avec son fils et il lui a dit: oh mon fils, ya bunay. Nous avons vu dans sourate Maryam, dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec son père, comment est-ce qu'Ibrahim alayhi salam était en tant que fils. Comment Ismaïl maintenant sera avec son père. Donc comment sera Ibrahim alayhi salam en tant que père ici? Nous avons vu qu'en tant que fils, il avait un comportement exemplaire. Voyons maintenant comment est-ce qu'il sera en tant que père. Il lui dit: ya Bunay. Comment est-ce qu'Ibrahim alayhi salam s'adressa à son père? Est-ce que vous vous souvenez? Comment est-ce qu'il s'adressa à son père? Ya Abati, oh mon cher père. Le plus grand respect. Et ça, c'est une bonne tarbiya à donner à ses enfants. Lorsque la femme entend l'enfant parler à son père, elle lui dit: ya Abi, ya Abati. Et toi, tu dis à ton fils: ya Bunay, oh mon cher fils. Tayyib. Ya Bunay, c'est une parole qui renferme une grande shafaqa, du rifq et une grande mahabba. يعني يظهر لولده مشقته ومحبته له كأنه يبين له أن القول الذي سيقول له لا ينافي حبه لولده. Donc Ibrahim عليه السلام dit: oh mon fils. Il montre ici à Ismaïl la plus grande douceur, qu'il aime. Il lui montre qu'il l'aime. C'est comme s'il avait dit: oh mon fils, tu as une grande place auprès de moi. Je t'aime. Tu es mon fils. Et tout ce que je vais te citer par la suite ne contredit en rien les sentiments que j'ai pour toi. Quelle est cette suite, cher frère? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Oh mon fils, je me vois en songe dans mon rêve plusieurs fois régulièrement en train de t'immoler. Ya bunayya inni ara fil manam. Ara fi'l mudari' wa yadullu ala istimrar. Ay hadhihi ru'ya takarrara ma fi shak. Cette vue qu'Ibrahim alayhi salam a vue dans son rêve, il n'y a aucun doute que ça vient d'Allah. Parce que la vue, la vision des prophètes dans leurs rêves, c'est une partie de la prophétie. Cela est propre aux prophètes. Tu ne peux pas tirer une législation d'un rêve, contrairement à ce qu'on fait. Et tu vois au jour d'aujourd'hui, l'établir faire de même. Et ils ont basé leur voix sur cela, après un rêve de Mohamed Elias. وَنَقُولُ لَهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Tu ne peux pas baser sur un rêve une religion. Lui demain va rêver d'un meurtre. Est-ce qu'il va dire: ça vient d'Allah, je vais le faire? Non, subhanallah. Cela est propre aux messagers.
Leur rêve était vérité. C'était une partie de la prophétie. Donc Ibrahim a.s. a vu dans son rêve, s'est vu dans son rêve en train d'immoler son fils. Il a vu cela plusieurs fois. Il a donc dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. وَرُؤْيَةُ الْأَنْبِيَا حَقَّ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Il lui a dit, vois donc ce que tu en penses. Ici, Ibrahim a.s. ne demande pas la permission à son fils. Mais il veut voir la fermeté de son fils dans sa religion. Il veut le faire participer également à cette épreuve pour que lui aussi le suive dans la soumission à Allah Azza wa Jal. Il entraîne son fils également dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ici, il y a une grande leçon. Le père prend les garçons avec lui depuis leur plus jeune âge et leur montre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ. Écoutez la réponse d'un enfant qui a été bercé dans le tawhid. D'un enfant qui n'a connu que la ilaha illallah. D'un enfant qui n'a compris que raditu billahi rabban wa bil islam dina. D'un enfant qui a compris ce pourquoi il avait été créé, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais rien lui associer. Wallahi hadhihi al-qissa نذكرها مرارا وما زلنا نتأثر بها. هذه القصة تتكرر مرارا في عيد الأضحى سنويا. Cette histoire, on ne cesse de la citer et on ne s'en lasse pas. Chaque année, on l'entend plus particulièrement à une période précise qui est Eid al-Adha. Ce qu'on va expliquer ici va vous permettre de comprendre une sunna que nous avons chaque année. Lorsque nous allons chercher une bête afin de l'immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati f'al ma tu'mar. Ô mon cher père, fais ce qui t'a été commandé. Un enfant qui reçoit cette information de son père, il est son fils unique qu'il a eu après avoir atteint un âge avancé. Le père dit à son fils, je me vois en songe en train de t'immoler, qu'est-ce que tu en penses? Qu'en a pensé ce jeune enfant? Ya Abati, écoutez le début de la réponse de Ismaïl alayhi salam. Tadabbaru ayatil Qur'an. Méditez les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et lisez les tafasir, subhanallah. Ismaïl, lorsqu'Ibrahim lui s'est adressé à lui, a commencé à introduire sa parole par Ya Bunay. Et Ismaïl, lorsqu'il a répondu à son père, a introduit sa parole par quoi? Ya Abati. Ô mon cher père, c'est comme s'il lui avait dit وَأَنَا أَيْضًا أُحِبُّكِ يَا أَبَتِي وَلَكَ الْمَنْزِلَةُ الْعَالِيَةُ فِي قَلْبِي يَا أَبَتِي وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تُحِبُّنِي وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا أَبَتِي وَلَكِنْ هَذَا أَمْرُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِمْتِثَالِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَاعَةِ رَبِّنَا سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Donc Ismaïl alayhi salam, lorsqu'il a répondu à son père, lui a dit, ô mon cher père, c'est comme s'il lui avait dit en réponse à sa parole, ô mon cher fils, qui comprend comme nous avons cité la plus grande douceur et l'amour, ben Ismaïl a répondu ainsi également en disant, et moi aussi mon cher père je t'aime, et moi aussi mon cher père tu as cette grande place dans mon cœur, et moi aussi mon cher père, je t'accorde le plus grand respect, la plus grande considération. Mais, ici, c'est l'ordre de notre Seigneur. C'est l'ordre de celui qui t'a donné cet enfant que tu vois devant toi après avoir atteint un âge avancé. Fala budda min ta'ati rabbina ya abati. Il lui a donc dit, if'al ma tu'mar. Écoutez, il ne lui a pas dit, immole-moi.
Il lui a dit, if'al ma tu'mar. Isma'u hadhihi al-latifa. Qala ya abati, if'al ma tu'mar. Ay tadhkiran bil ikhlas. Ay if'al hadha imtithalan li amri Allah. If'al hadha li'annahu amrun min Allah, min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa rabbul alamin wa min khasa'is ar-rububiyyah al-amr wan-nahy wa min khasa'is العباد العباد امتثال أمر رب سبحانه وتعالى وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل أين لنا ذلك تذكروا قصة إبراهيم عليه السلام مع أبي كيف خاطبه ها يا أبتي طيب إيش الآية ماذا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ثانيا يعني مرة ثانية يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا مرة ثالثة يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي إني أخاف أن أش يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي لا تعبد الشيطان ماذا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إبراهيم عليه السلام في صغره كان يحترم أباه كان يخاطبه بهذه اللفظة الطيبة في غاية الاحترام يا أبتي فالجزاء من جنس العمل رزقه الله تبارك وتعالى المنعم ولدا صالحا برا به يخاطب بمثل يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر الله سبحانه وتعالى أدكريتي que la rétribution accordée au serviteur serait en proportionnelle à ce que le serviteur faisait lui-même, à l'image de ce que le serviteur faisait lui-même. Comment est-ce qu'Ismaël a parlé ici à son père en lui disant « Oh mon cher père ». Revenons en arrière dans l'histoire d'Ibrahim avec son père. Comment est-ce qu'Ibrahim parlait à son père alors qu'il n'était pas musulman? Il lui disait « Oh mon cher père, oh mon cher père, oh mon cher père, oh mon cher père ». Et ici, on voit qu'Allah a accordé à Ibrahim a.s. un enfant pieux qui s'adresse ainsi à Ibrahim. « Oh mon cher père !» De cela, on tire cette grande faïda. « El-jaza'u min jinsil amal. » Cher frère, si vous voulez des enfants pieux qui vous témoignent la reconnaissance, le respect, l'amour, le bon comportement, soyez ainsi avec vos parents. Soyez ainsi avec vos parents. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Tu me trouveras si Allah le veut parmi le nombre des endurants. لم يقل إسماعيل عليه السلام ستجدني من الصابرين لماذا تواضعا لماذا علق نجاته وفلاحه إلى ربي إلى ربي سبحانه وتعالى لأن ما شاء الله كان وما لم يكن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق العبد ولولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري والأمر كما قال الله في القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ça c'est la parole de ceux qui réussiront. Ici, Ismaïl a rattaché toute sa réussite à son Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant si Dieu le veut, je serai du nombre des mazas des endurants. فذهب إبراهيم عليه السلام مع غلامه
Donc Ibrahim alayhi salam est parti avec son jeune garçon. لينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. تصوروا أيها الإخوة هذا الموقف. Donc Ibrahim alayhi salam par la suite est parti et a pris son enfant. Imaginez cette situation. Tu marches avec ton enfant, tu as atteint l'âge avancé, tu l'as attendu de nombreuses années, et Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de l'immoler. Donc il est parti avec cet enfant. Et il s'est préparé à immoler son enfant. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِيلِ. Puis lorsque tous deux furent soumis et qu'il l'eut jeté sur le front, Ibrahim alayhi salam a pris son enfant. Il l'a mis de sorte à ne pas voir son visage, car c'est une vision que l'homme le plus fort ne pourrait pas supporter. Il l'a donc tourné et a pris l'objet tranchant la lame afin de se soumettre à l'ordre de son Seigneur. Ibrahim alayhi salam se soumet à l'ordre de son Seigneur. Et plus étonnant que cela, comme a dit l'allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, wa rafa'a Allah darajati fil jannah wa askanahu Allah fasiha jannati ma'a al-anbiya'i was-sadiqin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. أعجب من هذا استسلام ولده الصغير. شيخ مقبل رحمه الله تعالى nous dit plus étonnant que cela, la situation c'est la soumission de son jeune garçon. Subhanallah. Est-ce qu'il va dire au mon père, comment est-ce que tu pourrais m'immoler? C'est un acte immonde, terrible, c'est un crime, comment est-ce que tu peux faire cela? Donc tu ne m'aimes pas, et ainsi de suite. Non, il a aidé son père dans sa mission, tout comme sa mère auparavant avait aidé son mari. Hajar. La idan la yudayyuna Allah. Thabbatat Ibrahim alayhi salam. Fakadhalika thabbata Allah Ibrahim biwaladihi as-saghir. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insha' Allah min as-sabirin. فلما أسلم وتله للجبين فلما أسلم أي إبراهيم عليه السلام وإبراهيم أو إسماعيل عفوا وتله للجبين donc il l'a mis sur le front, وضعه على وجهه كي لا يراه وقت ذبحه, جاء عند أحمد أن إبراهيم أن إسماعيل عليه السلام كان لابسا قميصا أبيضا. Dans le recueil de l'imam Ahmed, on trouve que Ismaïl portait une tunique blanche, comme je porte. Tayyib. Subhanallah. Libas al-Anbiya al-Qamis. Tayyib. Il portait un vêtement blanc. Écoutez cette parole. Wallahi, qisas fi qisas al-Anbiya, ibratun li ulil albab, kama qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Un enfant qui s'apprête à être immolé, écoutez la parole qu'il a dite. Inda Ahmed, anna Ismaïl alayhi salam, kana labisan qamisan abiyada. Qala li abihi, inzi'hu, tayyib, kay tukaffinahu fi. La hawla wa la quwwata illa billah. Ismaïl n'avait qu'un vêtement, un qamis blanc. Il a dit à son père Ibrahim alayhi salam, enlève-moi mon qamis avant de faire ça, ô mon cher père, afin de m'enterrer dans celui-ci, car je n'ai que ce vêtement. Est-ce que vous avez trouvé un islam comme celui-ci? Quelqu'un pourrait se dire, mais où sont les enfants comme Ismaïl au jour d'aujourd'hui? On lui répond, mais où sont les pères comme Ibrahim aujourd'hui? Et où sont les mères comme Hajar aujourd'hui? Où sont les femmes comme Sarah, comme Khadija, et j'en passe. Vous voulez des enfants comme Ismaïl? Prenez exemple sur Ibrahim alayhi salam. Prenez exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Puis, lorsqu'Ibrahim alayhi salam
et passer à l'action et à approcher la lame de son fils, yani du cou de son fils ou de la nuque de son fils, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à lui. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où Ibrahim s'apprête à immoler son enfant, il lui révèle et lui dit, yani dans le sens du verset, voilà que nous l'appelâmes, ô Ibrahim, tu as confirmé ta vision. Tu as mis en pratique ce qui t'avait été commandé. Donc ici, Ibrahim alayhi salam est passé à l'acte, a traduit sa vision par la mise en pratique. Inna kadhalika najzil muhsinin. Donc à ce moment-là, Ibrahim a prouvé que personne n'allait pouvoir obstruer l'amour qu'il portait pour son Seigneur. Et que avant d'avoir eu Ismaïl, et après avoir eu Ismaïl, c'est toujours Khalil Rahman. Donc, Allah Azza wa Jal a abrogé cet ordre. Car il n'y a plus la sagesse recherchée à travers cela, du fait qu'Ibrahim a démontré, qu'il était toujours Khalil Rahman, et il a réussi par cela son épreuve. إذن لم يبقى من هذا إلا إمرار السكين على حلقه كذلك نجزي المحسنين أي في عبادتنا. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants, c'est-à-dire notre adoration. إن هذا لهو البلاء المبين أي هذا الامتحان, هذا امتحان واضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبتي لربه سبحانه وتعالى. De par cette épreuve, donc c'est certes là une épreuve manifeste à travers laquelle on a vu la pureté d'Ibrahim alayhi salam, sa perfection dans l'amour qu'il portait à son Seigneur, et on a vu sa khulla. Quelle est la sagesse pour laquelle Ibrahim fut éprouvé par cela? Je répète, Allah Azza wa Jalla a accordé à Ibrahim un enfant après avoir atteint un âge avancé. Il l'a attendu de nombreuses années. Tayyib. Allah Azza wa Jalla a élevé Ibrahim au niveau de Khalil Rahman et lui a accordé le niveau le plus haut de l'amour. Cet amour qui n'accepte aucune association dans cela. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal doit avoir la place tout entière dans cet amour. Et il ne doit pas y avoir une place pour quelqu'un d'autre. يقتضي أو تقتضي الخلة أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب كما قال السعد. Donc Allah lui a ordonné d'égorger, d'immoler son enfant. Lorsqu'Ibrahim a.s. a réussi cette épreuve, il n'y avait plus, ou bien il a réalisé ce pourquoi il a été éprouvé, alors Allah a abrogé cette épreuve. Il y a de cela une mas'ala dans Usul al-Fiqh, qu'on ne citera pas maintenant. Yani, hal, yani Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru bima la yurid. Tayyib, est-ce qu'Allah peut ordonner une chose, mais sans vouloir qu'elle se réalise au final? Ça, c'est une mas'ala qu'on étudie dans les livres de Ma'adha Usul al-Fiqh. De cette histoire, pour finir, on tire sur'atu istijabati as-salihin wal-anbiya li amri rabbil alamin. Premièrement, on tire la rapidité qu'ont les gens pieux et les prophètes à se soumettre aux ordres de leur Seigneur. Deuxièmement, on tire que les gens qui ont les épreuves les plus lourdes sont ceux qui sont les plus pieux, comme cela a été cité dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
en commençant par les prophètes. Plus Allah t'éprouve, plus cela est un signe de son amour. إذا حب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط كما dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui agrée cela, Allah l'agréera. Et celui qui se révolte, il recevra la colère. De cette épreuve, on voit le comportement entre le père et son fils. On voit حسن تربية الأولاد. L'importance d'éduquer ses enfants et de s'adresser à eux sans les rabaisser, mais en leur accordant la plus grande importance, afin que l'enfant soit valorisé et se voit donc important et essaye d'être à la hauteur de cette importance que tu lui accordes. Par contre, si tu lui parles en lui disant « mais tu es bête ou quoi ?» ou en lui disant « tu es hakada wa hakada », là, tu vas le faire grandir avec tes complexes. Il va être dévalorisé depuis son plus jeune âge et son plus jeune âge n'aura pas confiance en ses capacités. On voit aussi le comportement de l'enfant envers son père, Ya Abati. On voit aussi l'entraide dans la famille, dans l'adoration. Le fait qu'Ibrahim alayhi salam prenne son fils avec lui, fréquente son fils, donne du temps à son fils. Wallahu musta'an. On voit également que ru'yatul anbiya haqq. La vision, les songes des prophètes sont réalité, vérité et une partie de la prophétie. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux rêves des égarés, mina sofiya ad-dullal. Wadih hadha al-kalam ou ma huwa wadih? C'est clair ou pas? Les rêves sont une partie de la prophétie. Et d'un rêve, on tire une législation exclusivement chez les prophètes. Contrairement à ce qu'ont voulu faire les égarés innovateurs parmi les soufis. وَبَعْضُهُمَ الْمُشْرِكُونَ. Et une partie d'entre eux sont des polythéistes et adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal, ce qui ne peut ni être profitable ni être ni nuire. Ils invoquent leur machaïk en dehors d'Allah Azza wa Jal et immolent pour eux, et lorsqu'ils ont un besoin, ils ne lèvent pas leurs mains vers Allah mais vont voir la tombe de Sidi Fulan et Sidi Fulan et du Wali Fulan. Subhanallah. Ils demandent des enfants lorsqu'ils sont stériles, ils demandent la vue lorsqu'ils sont aveugles, ils demandent la force lorsqu'ils sont faibles. Ya Subhanallah, Ayn Allah. Si vous demandez ça autre qu'Allah, qu'est-ce que vous laissez à Allah Subhanahu wa Ta'ala? Certains d'entre eux disent que leurs mashaïr se sont partagés la gérance de la terre. Et wallah. Kadhibun ala Allah. Kadhibun ala Allah Rabbil Alamin. Al-Ahadu Samad. Allah Azza wa Jal tafarrada bil rububiyya, bil khalq, wal razq, wal ihya wal imata. Fama dhannukum bi Rabbil Alamin. Il y a une secte qui s'appelle Jama'atu Tabligh. Hein? Qui se nomment eux-mêmes Jama'atu Da'wa. Sahih annahum Jama'atu Da'wa. Lakin la yad'una ila sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa tawhid khaliqi Rabbil al-Khaliq fi al-uluhiyya. Donc nos frères parmi Jama'atu Tabligh, on leur adresse un conseil. Wa nuhibbu lahum al-khayr wal hidayah. On veut pour eux la guider et on veut pour eux le bien. On leur dit: revenez à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et délaissez votre voix qui est basée sur un rêve. Et revenez à la voix qui est basée sur le Coran, sur la sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. On voit ici le fait de rattacher la réussite à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est la parole des prophètes: wa ma tawfiqi illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. On tire de cela, de cette histoire, sifatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yatakallam, wa annahu yaqul, wa annahu yunadi.
وناديناه أن يا إبراهيم. النداء الله عز النداء هو الكلام بصوت وحرف يسمع. طيب النداء c'est une appellation qu'on entend. Donc parmi dans cela on tire qu'Allah parle subhanahu wa ta'ala. Il parle à qui il le veut. Il a parlé aux anges. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Il a parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a ordonné la prière. Il a parlé au prophète et aux messagers. Il a parlé à Moussa. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Et ainsi de suite. Allah yatakallam. بارك الله فيك حفظك الله. Le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal parlera à l'ensemble des créatures. Et parmi la parole d'Allah est le Coran. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Nombreux sont les textes, donc, où il y a l'attribut d'Allah Azza wa Jalla la parole. Allah parle comme il le veut, quand il le veut, à qui il le veut. Et sa parole ne ressemble pas à la parole de ses créatures. Et sa bien sûr, il n'y a rien qui lui ressemble. C'est lui l'audient et le clairvoyant. De cela, on voit le mérite évident de Ibrahim alayhi salam et de Ismaïl alayhi salam. On tire également la fermeté et l'endurance qu'ils avaient dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire aussi de cela qu'Allah azza wa jal éprouve ce qu'il veut. On tire de cela al-faraju ba'da shiddah, le secours après la difficulté. Le secours après la difficulté. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa fadaynahu bi dhibhin 'azim. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit à Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a appelé Ibrahim alayhi salam, il lui a donc enlevé cette épreuve et a remplacé l'immolation de son fils par l'immolation d'un bélier cornu. Par l'immolation d'un bélier cornu. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a vu la soumission de son serviteur, lui a remplacé et allégé, a remplacé son épreuve et allégé son épreuve. Qu'est-ce qu'on tire de cela? Celui qui se soumet à Allah, Allah lui facilite. Celui qui se soumet aux ordres d'Allah, Allah lui facilite. Donc la facilité est dans quoi? Dans l'obéissance d'Allah. Ça n'est pas dans sa désobéissance. La désobéissance d'Allah ne ramène que le malheur, que les soucis, que les problèmes. Et son obéissance ne ramène que le bonheur, la douceur dans ce bas monde et la félicité, la réussite dans l'au-delà. Mais il te faut subir les épreuves et endurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Huffatil janna bil makarih wa huffatil nar bil shahawat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le paradis a été entouré des choses qui sont lourdes pour l'âme. Hein? Et l'enfer a été entouré des choses qui plaisent à l'âme, qui incitent et appellent l'âme. Donc Allah Azza wa Jalla ordonna à Ibrahim alayhi salam plutôt d'immoler cette bête, chose qu'il fit. Tayyib. On tire de cette histoire aussi وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attendra pas. Après cela, Allah Azza wa Jalla a accordé, fit une bonne nouvelle à Ibrahim alayhi salam, wa basharnahu bi Ishaq. Il lui a, non seulement il a préservé Ismaïl, mais après lui, il lui annonce la bonne nouvelle d'un autre enfant qui s'appellera Ishaq. Tayyib. Wa basharnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin. En plus de cela, il sera un prophète et quelqu'un de pieux qui sera élevé. Et nous lui fîmes la bonne nouvelle de Ishaq comme prophète parmi les vertueux. طيب. هذا هو. Après cela, Ibrahim alayhi salam est parti et a continué sa mission. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء والرسل. إسماعيل عليه السلام est resté avec sa mère Hajar
D'accord? Et a reçu la meilleure éducation et a grandi. Et dans le prochain cours, on verra l'annonce de la bonne nouvelle à Sarah de Ishaq, l'histoire des invités d'Ibrahim alayhi salam, puis son retour lorsqu'il est venu visiter Hajar et Ismaïl, Ismaïl, jusqu'à la fin. Je vais conclure. D'accord. Mada, une annonce pour la sœur, qu'elle sache que René est devant la mosquée et il attend pour partir. Donc qu'elle se lève afin de l'orienter. Taïb, on finit sur un point important, une des plus grandes faïdas qu'on tire, et une des plus grandes informations utiles et subtiles que nous tirons de cette histoire, c'est taqdimu mahabbatillah fawqa jami'il mahab. Le fait de faire devancer l'amour d'Allah et la volonté d'Allah religieuse devant tout ce que nous aimons. Ibrahim alayhi salam haqqaqa at-tawhid, a parfait l'unicité d'Allah azza wa jalla. De tout point de vue, toute sa vie est un exemple dans le fait de faire devancer l'amour d'Allah sur l'amour des autres. Al-Hanifiyyah était sa voie par excellence. Al-Muqbilu ala Allah, Al-Mu'rid amma siwa, wa mahabbatullah fawqa jami' al-mahab, comme a défini Al-Allama ibn al-Qayyim, Al-Hanif. Ibrahim alayhi salam a préféré Allah azza wa jal à son père, celui qui l'a mis en route. Ibrahim alayhi salam a préféré Allah à sa terre, Al-Iraq, Babil. Il a fait la hijra. Ibrahim alayhi salam a préféré Allah à son peuple. Il a fait la hijra. Ibrahim alayhi salam a préféré Allah azza wa jal au pouvoir et à Nimrod. Nazarahu fi tawhid. Ibrahim alayhi salam a préféré Allah azza wa jal à Hisham, un endroit où il y avait beaucoup de bienfaits et de richesses. Il est parti fi Misr. Puis il est revenu fi Sham et il a préféré l'ordre d'Allah à Sham. Il est parti à Mecca, une terre aride où il n'y avait rien. Ibrahim a.s. a préféré Allah azza wa jalla à son épouse Sarah. Il l'a laissé fi Sham et est parti avec Hajar fi Mecca. Ibrahim a.s. ensuite a préféré Allah subhanahu wa ta'ala à Hajar et son nouveau-né Ismaïl. Il les a laissés fi Mecca et est parti. Et maintenant, on voit qu'Ibrahim a.s. a préféré Allah Azza wa Jal à la vie de son fils Ismaïl, il a failli l'immoler. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya hayyu ya qayyum, allimna ma jahilna. Allahumma ya hayyu ya qayyum, allimna ma jahilna. Wanfa'na bima allamtana wa zidna ilma. Allahumma يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من تحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On reprend إن شاء الله la semaine prochaine. On est quel jour là? On est vendredi. Allahu Akbar, wallahi, je croyais qu'on était samedi. J'étais triste de ne pas avoir fini la qissa de Ibrahim alayhi salam. As-Allah subhanahu wa ta'ala yamudda fil a'mar ala tawhid wa ala sunnah. Donc demain, inshallah ta'ala, on poursuit l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Et à partir de la semaine prochaine, je vous annonce la bonne nouvelle que vous n'aurez plus à supporter mes longs cours. Vous allez retrouver votre frère, notre frère et bien-aimé Sadaq. Sadiq, waffaqahullah, notre bien-aimé, qui poursuivra la biographie de l'homme qu'on aime le plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on veut tous vous voir également le samedi, inshallah, pour l'étude du livre Al-Shama'il. Al-Shama'il, c'est un livre très important. On doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le suivre si on ne le connaît pas? Donc, assistez à ce cours. Sadiq, c'est un frère qui a la khayr. C'est un frère qu'on connaît personnellement.
on a grandi avec lui dans ses débuts, on a voyagé ensemble et on a connu la sunnah et le tawhid. Et on n'a jamais connu, bihamdillah azza wa jal, al-hizbiyat wal-jama'at. Et c'est un frère qui a étudié en France et à l'étranger, bihamdillah azza wa jal, et c'était mon zamil, c'était mon collègue dans les études. Donc je me permets de vous encourager à assister à ces cours. Wa jazakumullahu khayran.